Est-ce qu'on peut faire pousser les cheveux plus vite? Il y a beaucoup de compagnies qui basent leur marketing sur cette promesse, puis je pense que c'est important de démêler le vrai du faux. On va parler de ça aujourd'hui et en même temps, on va en profiter pour vous présenter la nouvelle ligne de L'Oréal Professionnel Pro Longueur. Je veux pas vous faire de peine, là, mais les cheveux, ça pousse à la même vitesse, peu importe. Donc, à ceux et celles qui disent que leurs cheveux arrêtent de pousser après une certaine longueur, ouvrez grand vos oreilles. Pour avoir des cheveux longs, c'est important de prendre soin de ces longueurs parce que sinon, elles vont s'affaiblir et vont casser. C'est pour ça que vos cheveux ont l'air d'arrêter de pousser. Mais votre pousse, elle le prouve, vos cheveux continuent à sortir de votre cuir chevelu. Pour avoir moi-même eu les cheveux très longs et fins, je peux vous confirmer que c'est assez difficile d'entretenir une chevelure longue et dense. Là, on va mettre une chose au clair. Si vos cheveux ont l'air de ça, il n'y a aucun produit qui va sauver votre chevelure. La seule chose à faire, c'est d'aller voir un professionnel, de couper et de recommencer au début. La gamme Pro Longueur, ça va être votre meilleur allié pour entretenir votre chevelure qui est longue, pour qu'elle soit dense, de la racine jusqu'aux pointes, grâce aux formules qui contiennent des acides aminés, puis la molécule exclusive Filler A100. Les acides aminés vont servir à protéger et à prévenir des dommages futurs. La molécule Filler A100, elle est composée de deux actifs, le phylloxane et le polyquaternium PQ6. Le phylloxane, il va pénétrer la fibre capillaire puis va faire gonfler le cheveu de l'intérieur. Puis le polyquaternium PQ6 va vraiment aller travailler sur la surface de la fibre capillaire pour le revitaliser. Le soin vedette de Pro Longueur, c'est définitivement les ampoules. Dans une petite ampoule, vous allez retrouver un concentré d'acides aminés puis de filler A100. Les ampoules offrent un effet immédiat, mais aussi cumulatif, donc vous allez voir de plus en plus d'effets au fur et à mesure que vous allez les utiliser. Pour utiliser une ampoule, c'est super simple. On va l'appliquer sur la chevelure humide. Vous pouvez l'appliquer de la racine jusqu'au point, mais ça serait un peu de gaspiller du produit, donc vous devriez vous concentrer sur les zones plus endommagées, donc les longueurs et les pointes. Une fois appliqué, vous allez entortiller les cheveux pour activer le produit. Ensuite, vous le laissez agir 5 minutes, puis c'est à ce moment-là que vous allez le rincer et procéder au shampoing. Vous allez répéter le processus de shampoing. FYI, si vous ne le faisiez pas déjà, vous devriez toujours laver deux fois vos cheveux. Il est recommandé de laisser 3 shampoings entre chaque utilisation d'ampoule pour éviter de saturer la fibre capillaire. En général, la gamme Pro Longueur convient à tous les types de cheveux. Mais puisque le shampoing et le revitalisant sont très cosmétiques, donc ils vont vraiment aller revitaliser, conditionner le cheveu, si vous avez une texture très très fine, ça se peut que ça alourdisse. Dans ce cas-là, on vous suggère de commencer par un shampoing clarifiant, puis ensuite vous allez pouvoir utiliser le shampoing Pro Longueur. J'ai utilisé le shampoing et le revitalisant, j'ai pas encore eu la chance d'utiliser les concentrés. Petite mise à jour, le soir même, j'ai utilisé une ampoule pour la première fois et je peux vous dire que je suis vraiment impressionnée par mes résultats. Mes cheveux étaient vraiment plus épais, plus denses, plus volumineux, puis j'ai même ma texture naturelle qui a été amplifiée. J'ai juste eu besoin d'utiliser la moitié de l'ampoule, donc c'est génial, j'en ai plus pour mon argent, on aime ça. Perso, je trouve vraiment pas qu'ils sont alourdissants. Moi, j'ai les cheveux fins, j'ai beaucoup de cheveux fins, et là, ça fait environ 3 ou 4 jours que j'ai pas lavé mes cheveux, puis je pense que c'est très, très acceptable. En ce moment, mes cheveux, c'est sûr qu'ils sont plus courts, mais je sais que mon type de cheveux est directement visé par cette gamme-là. Donc, quand ils sont longs, les longueurs deviennent vraiment fines. Je me retrouve avec une toute petite couette. Puis, je fais tout le temps un cycle. Je les laisse pousser. Je finis tout le temps par me les attacher parce que j'ai l'impression qu'ils manquent de corps. Puis, je les coupe. Puis là, je trouve qu'ils ont plein de volume. Ils sont denses. Ils repoussent. Ils redeviennent fins. Ça finit jamais. Moi, j'espère qu'avec l'utilisation de la gamme Pro Longueur, je vais avoir une longue crinière volumineuse et luxurieuse comme les mannequins. Bien sûr, je vais m'assurer de mettre tous les produits dans la description. Si vous avez d'autres questions sur le produit, on vous invite à consulter les descriptions sur le site web de Mathémax. Et si encore là,
Les descriptions n'ont pas répondu à vos interrogations. N'hésitez pas à nous écrire en commentaire, puis nous, on va vous répondre le plus rapidement possible. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous retrouve dans une prochaine capsule Mathémax. En attendant, venez nous rejoindre sur Facebook, sur Instagram, et je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube pour plein de vidéos relatives à la beauté et aux cheveux. Bye!